notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, non, 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 non. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, non, 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 non. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Elle ne nous laisse pas, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas entrer en tentation, non, non, non. Elle ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous êtes bénie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Oh, 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 oh. Maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, béni, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et
et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, béni, béni. Sainte Marie, 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 Mère de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, 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 et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas, et ne nous laisse pas, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés,
ce qui ne veut pas dire rester avec des gens qui nous font du mal, on est bien d'accord. Pardonner est un cadeau qu'on se fait à soi et aux autres. Qui dit cadeau ne dit pas chantage, on est bien d'accord. C'est un don qu'on fait à soi et aux autres, naturellement, vibratoirement. Mais quand on a pardonné à quelqu'un, on n'est pas obligé de rester avec, car le pardon que vous avez en vous ne change pas forcément la personne en face, car nous avons tous notre libre arbitre. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire laisser la place à quelque chose de plus beau. Qu'est-ce que ça veut dire plus beau? Chacun voit ce qu'il veut. Mais on est bien d'accord que pour le moment, le beau ne vibre pas dans notre cœur. Alors installons le beau dans notre cœur. Installons le beau dans notre cœur. Qu'est-ce que c'est le beau dans notre cœur? Oh, le beau, le beau, le beau, le beau, le beau, le beau dans notre cœur. Mais qu'est-ce que c'est le beau, le beau, le beau, le beau, le beau dans notre cœur? Aujourd'hui, ce sont celles-ci, et peut-être un autre jour d'autres. Tout le monde est le bienvenu. Vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez faire toutes les prières que vous aimez. Le principal est que vous brillez, que vous brillez, que vous vibriez, que vous vibriez, que vous vibriez, que vous vibrez, que vous vibriez. Un nouveau mot pour tout le monde. Que vous vibrez, que vous brillez, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. C'est ça le plus important. La foi. La foi, ce n'est pas répéter comme des robots. Non, 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 mon Dieu. Les robots n'ont pas de cœur. Nous avons un cœur. Nous avons un cœur. Nous avons un cœur. Qui dit cœur dit interprétation. En fonction de chacun, on est tous uniques. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi.
foi, c'est ce qu'il y a de plus important et ça dépasse les croyances. La foi est au-delà des croyances. Ça n'a rien à voir. Cependant, les croyances peuvent cultiver la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mani peme, Namaste. Om mani padme hum, mani padme.
O mani pen me om, ha mani pen me om, ha mani pen me om, ha mani pen me om. Ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Om, om, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Yam, 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 yam. Om mani padme om, om mani padme om, om mani padme om. Om mani padme, la paix, la paix, la paix, padme om. Om mani padme om, om, om. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, pace. Ti amo. Om mani padme om, om mani padme om, om mani padme om. Om mani padme om, om mani padme om, om mani padme om, yam yam. Om mani padme om, 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 yam 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 yam. Om mani padme om. Om mani padme om, 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 yam 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 yam. Om mani padme om, 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 l'union. Om, 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 l'union. Om, 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 l'union. Yam yam yam, la compassion. Yam yam yam, la compassion.
cœur si doux, si tendre, que n'importe qui vous approchant puisse se reposer. Ayez un cœur si doux, si tendre, que n'importe qui vous approchant puisse se reposer. Il y a de nombreuses formes de repos. Il suffit que vous passiez comme ça, que vous croisiez un parfait inconnu ou une parfaite inconnue. Et là, juste le fait de croiser cette personne, repos de l'âme, magie, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Si ça pouvait être commun, si ça pouvait être commun, de se croiser, de se reposer, mais c'est merveilleux. Imaginez. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le beau dans notre cœur, le beau dans notre cœur, le beau dans notre cœur, le beau dans notre cœur. Et si justement le beau, mais qu'est-ce que le beau? Et si le beau c'était d'être si tendre, si doux, que chacun de nous puisse se reposer? C'est beau, j'adore. Et si le beau dans notre cœur, c'était d'être si beau, si tendre, si doux, et c'est ça le beau, si doux, si tendre, si beau. C'est beau. J'adore. Amour, gloire, réparation. Yam, 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 yam. Quand on a le cœur si tendre, si doux, et qu'on peut se reposer, alors vient la paix. Pace. Penmeron. Namaste. Et maintenant, quelques lectures de petites prières que j'ai avec moi. Commençons par celle-ci. Ô Dieu de vérité,
Cette prière est de Lenza del Vasto. Ô Dieu de vérité, que les hommes divers nomment de divers noms, mais qui est l'un, unique et le même. Qui est celui qui est, et qu'on a d'ailleurs en nous. Ô Dieu de vérité, que les hommes divers nomment de divers noms, mais qui est l'un unique et le même. Qui est celui qui est, qui est en tout ce qui est, et dans l'union de tout ce qui s'unissent, qui est dans la hauteur et dans l'abîme, dans l'infini des cieux et dans l'ombre du cœur, comme une infime semence. Pourquoi dans l'ombre du cœur? Parce que, en arrivant, nous incarnant dans ce physique, nous sommes polarisés, plus et moins. Nous avons tout en nous et nous avons le libre arbitre. On a le libre arbitre pour faire des choix. Qui dit choix dit responsabilité. Et c'est marrant parce que ce mot responsabilité vient tout le temps dans notre société, être responsable. Mais personne ne sait ce qu'est être responsable. Responsable implique de faire des choix. Et les choix, c'est jamais très facile. Pourquoi c'est jamais très facile? Parce que ça bouscule nos croyances. Et ça implique la foi. Tout à l'heure, j'ai dit que la foi, ça dépassait les croyances. Ô Dieu de vérité, que les hommes divers nomment de divers noms, mais qui est l'un unique et le même, qui est celui qui est en tout ce qui est, et dans l'union de tous ceux qui s'unissent, qui est dans la hauteur et dans l'abîme, dans l'infini des cieux et dans l'ombre du cœur, comme une infime semence. Alors faisons briller notre cœur. On n'est pas obligé de rester trop à l'ombre. Peut-être une petite liaison. On n'est pas obligé de rester trop à l'ombre. Qui est dans la hauteur et dans l'abîme, dans l'infini des cieux et dans l'ombre du cœur, comme une infime semence. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu nous exauces, puisque cette prière est un exaucement. Puisqu'en nous adressant ensemble à toi, nous élevons notre vouloir. Nous épurons notre désir. Et nous nous accordons. Ce qui ne veut pas dire vouloir et désirer, ça peut être très joli, ça peut être très beau. Quand on est tendre, tout doux, que notre âme est toute épurée, toute brillante, toute pimpante. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu nous exauces, puisque cette prière est un exaucement, puisqu'en nous adressant ensemble à toi, nous élevons notre vouloir, nous épurons notre désir. Et nous nous accordons l'union, s'accorder les uns avec les autres, vibrer à l'unisson. Ce qui implique un véritable choix intérieur. Un véritable
état d'esprit. Véritable, véritable état d'esprit. Authenticité. Être authentique. Nous avons tous la vérité en nous. Nous avons notre propre vérité en tant que chacun, en tant qu'unicité. Et nous portons aussi la vérité en tant qu'unité, en tant qu'égalité. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu nous exauces, puisque cette prière est un exaucement, puisqu'en nous adressant ensemble à toi, nous élevons notre vouloir, nous épurons notre désir et nous nous accordons. Et qu'avons-nous à demander encore si cela est accompli ? Oui, que demander, sinon que cela dure, ô Éternel. Il y a des choses que nous voulons, nous désirons, qui peuvent être très belles, il y a des choses qui sont de notre sort, que ça soit beau ou pas beau. Et il y a des choses qui ne sont plus de notre sort. Des choses qui impliquent la foi. Il y a les choses qui impliquent nous-mêmes et les choses qui impliquent plus nous-mêmes. Ça se dit pas, c'est pas français. Il y a des choses pour lesquelles on peut changer soi-même et on peut changer autour de nous, quelque part, sous certaines formes, subtilement, parce qu'on est tous interreliés. Ce qui veut dire, on ne peut pas changer les gens, ce dont on parlait tout à l'heure. Quand on fait un choix, ça ne veut pas forcément dire que l'autre change. Nous changeons, mais il faut laisser l'autre personne telle qu'elle est. Cependant, quand nous changeons subtilement dans l'inconscient collectif, c'est inscrit. Et lorsque la personne en face est prête, elle va puiser naturellement dans l'inconscient collectif et va peut-être choisir telle ou telle chose. Parce qu'une chose, même si nous avons inscrit par rapport à notre choix, quelque chose dans l'inconscient collectif, ce choix va prendre plein de formes. Il a pris une forme pour vous, il s'est inscrit. Ça veut dire qu'il y a eu la possibilité que c'est possible. Et quand la personne en face est prête, ça va lui donner de l'espoir. Elle va savoir dans son inconscient que c'est possible. Et elle va peut-être choisir de faire la même chose. Cependant, cette même chose prendra peut-être une autre forme. Car cette personne est unique. Il y a son interprétation, sa propre vibration qui va passer.
va vibrer à travers ce choix. Et qu'avons-nous à demander encore, si cela est accompli? Oui, que demander sinon que cela dure, ô Éternel? Le long de notre jour et notre nuit, sinon de t'aimer, racer pour aimer tous ceux qui t'aiment et t'invoquent comme nous. Le long de notre jour et de notre nuit, à chaque instant, ici et maintenant, tout de suite, ici, peu importe ce qui se passe pour toi, peut-être des choses atroces pour toi, peut-être que par rapport à ta propre sensibilité, nous allons parler des échelles. Nous allons parler des échelles par rapport à ce que toi, tu vis peut-être présentement. Tu as un contexte. Ce même contexte va pas être vécu de la même manière. Chaque personne t'a perçu de la même manière. Ça ne va pas impliquer les mêmes choix. Et il n'y a aucun jugement à faire. Souvent, il est facile de dire « Ah, mais c'est facile pour elle, elle n'a pas eu ce contexte !» Ou « Elle a eu ce contexte, mais ah, c'est facile, on trouve une autre excuse parce que tel ou tel truc. » Pourquoi ça serait plus facile en fait? Nous avons tous des échelles différentes. Qu'est-ce que c'est une échelle? Nous avons tous une évolution différente. Sur tous nos plans, nous avons beaucoup de plans. Les échelles peuvent impliquer la sensibilité. On va prendre la sensibilité en exemple. Quelqu'un va dire « Oh, mais elle est douillette !» J'ai un exemple comme ça. « Oui, il est douillet !» Ou ça, c'est un jugement. Ça signifie que l'autre n'a pas le droit de ressentir et d'exprimer. Ça sous-entend ça, en fait, quand on porte ce genre de choses, ce genre de phrases. Et encore, ça c'est gentillé. Parce que ça peut être atroce en fait pour la personne qui entend ça. Parce que pour elle, c'est atroce. Pour elle, c'est véritablement atroce. Ça peut être sous plein de formes. Nous allons parler d'un thème pas rigolo du tout et qui est même plutôt tabou. Ce mot, je le bénis dans ce cadre, ici et maintenant, c'est protégé. C'est pur, c'est pour exprimer quelque chose d'important. Nous allons parler du viol. En fait, ce mot est vraiment pas compris du tout. Il est utilisé à tort et à travers pour exprimer la mauvaise foi de chacun.
il y a le viol. Oui, le vol aussi, parce que le viol est un vol de quelque chose. Le viol physique est le plus courant. Mais il y a le viol psychique. Il y a le viol mental. Il y a le viol énergétique. Et d'ailleurs, l'énergétique est très important parce que l'énergétique passe à travers tous les précédents. Le viol physique est d'abord énergétique. Sinon, vous ne pourriez pas voir la matière, ce que vous appelez physique. Ce que vous appelez physique est d'abord énergétique. Le psychique est d'abord énergétique. Le mental est d'abord énergétique. Ce qui est subtil est d'abord énergétique. L'énergie. Et peu importe la forme de viol, c'est un vol d'énergie. Et c'est très grave d'un plan divin, parce que ça veut dire qu'on ne respecte pas l'intégrité de l'autre. L'intégrité. Intégrité, respect, honnêteté. Intégrité, respect, honnêteté. Intégrité, respect, honnêteté. Et ce qui est très embêtant dans notre société actuelle, c'est que le viol, sous n'importe quelle forme, est banalisé. Et du coup, qui dit banalisé, dit peut être justifié. Qui dit mauvaise foi, banalisé, justifié, mauvaise foi. Parce que qui dit banalisé dit une normalité. Qui dit normalité dit pas le droit d'ouvrir la bouche. Pas le droit de s'exprimer. Parce que si tu exprimes quelque chose, ça veut dire que ta propre unicité, ta propre intégrité qui intervient. Tu te positionnes. Et ça plaît pas à la normalité. Non, non, non. Normalité, justifiée. Mauvaise foi, méchanceté. Et c'est actuellement ce qu'on vit. Mais nous pouvons choisir ici et maintenant d'opérer des transformations en nous, de choisir des choses qui nous semblent plus jolies. Qu'est-ce qui vous semble plus joli? Qu'est-ce qui serait beau pour votre cœur? Qu'est-ce qui ferait briller, vibrer votre cœur? Pour éviter de cautionner
tout ce manque d'intégrité. Et peut-être choisir de dire « Maintenant, je suis intègre avec moi-même et je ne cautionne plus. » Oser être soi, c'est pas facile. Parce que ça implique beaucoup de choses. Parler de méchanceté. Notre société est vraiment... L'humain, à la base, n'est pas fait pour être méchant. Mais tout a été créé pour être méchant. Il y en a même qui se vantent d'être méchants ou méchantes. Vous n'avez jamais rencontré des personnes qui disent ce genre de phrases? Elle a pas vu comment je peux être méchante, hein? Sous-entendu, t'as déjà été méchante et tu peux être encore plus méchante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être gentil et être encore plus gentil. Gentillesse, bonté, douceur, tendre et doux, qu'on puisse se reposer. Gentillesse, bonté, douceur, tendre et doux, qu'on puisse se reposer. Gentillesse, bonté, douceur. Tendre et doux. Tendre et douce. Pour qu'on puisse se reposer. Nous terminons là-dessus. Je vous souhaite le meilleur. Bénédiction. Plein de tendresse. De douceur. D'amour divin, de pureté divine, d'intégrité, de respect, d'honnêteté, d'unicité, d'unité, de paix, de compassion, d'intégrité, intégrité, intégrité, car c'est tout de même une base très, très importante. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh.